Interview. Stéphane, ancien champion des 12 coups de midi, revient ce samedi 9 septembre dans le quiz des champions diffusé sur France 2. Il cesse de confier à Télé Loisirs à l'approche de sa participation à l'émission. Il avait enchaîné les victoires aux 12 coups de midi. Ce samedi 9 septembre, Stéphane fait son grand retour dans le nouveau numéro du quiz des champions diffusé sur France 2 à 21h10. Présenté par Cyril Ferraud, le divertissement réunit les plus grands candidats de jeux télé. Celui qui totalise plus de 560 000 euros de gains en 153 participations sur TF1 retrouve ses acolytes Timothée et Paul Elrarat, qu'il avait déjà affronté au combat des maîtres en juillet dernier. Son objectif, décrocher les 20 000 euros pour la SPA, l'association qu'il a choisi de défendre lors de cette compétition. Ses motivations, sa préparation à l'émission, ses projets. Le technicien de fonderie originaire de la Haute-Marne cesse de confier à Télé Loisirs. Stéphane à propos de sa préparation au quiz des champions, j'y vais à l'arrache Télé Loisirs, quest ce qui vous a donné envie d'être candidat au quiz des champions Stéphane, je voulais continuer à participer à des jeux télé et dans mes premières interviews, j'avais parlé de cette émission. La production a dû être au courant. Après mon élimination, ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé. J'étais surpris qu'on me contacte aussi vite mais j'ai accepté avec grand plaisir. Pour quelle raison aviez-vous envie d'y participer? Si est-il un autre style de jeu et on se frotte à des candidats qui sont aussi calés que soit en culture générale voire même plus, sans dénigrer tous les participants que j'ai pu affronter aux 12 coups de midi. Je suis admiratif de Xavier, Enzo, Paul et consorts. Ce sont des gens que j'ai admirés quand je les ai vus jouer, donc je voulais me confronter à eux pour savoir éventuellement le niveau de culture que j'avais. Si est-il un challenge pour moi? Et que pensez-vous de la mécanique du jeu? Les 12 coups de midi est déjà une super mécanique mais le quiz des champions, si est-il plus subtil? C'est une autre manière de jouer, il faut s'adapter. Vous vous étiez fixé l'objectif d'arriver dans le top 5 lors des 12 coups de midi. Qu'en est-il du quiz des champions? Être vraiment le moins ridicule possible. Je ne veux pas être éliminé dès la première manche parce que ça me mettrait un coup au moral. Je me dirais que je n'ai rien à faire là. Je voulais aussi montrer par rapport à ce que certaines personnes disent sur les réseaux sociaux, que je ne suis pas si nul que ça, qu'on ne m'a pas donné les questions ou qu'on ne m'a pas soufflé les réponses dans l'oreillette. Je veux aussi me prouver à moi-même que j'ai encore beaucoup de choses en mémoire. Est-ce que vous vous êtes entraîné? C'était peut-être une erreur mais pas du tout. Comme aux 12 coups de midi, j'y suis allé à l'arrache. J'ai prévu de m'entraîner après ce jeu pour pouvoir être encore meilleur que je le suis. J'espère que je vais arriver à progresser vite pour titiller les plus grands. Stéphane évoque sa relation avec les autres candidats du quiz des champions, il y a plus de complicité avec les candidats des 12 coups de midi. Est-ce que vous redoutez un candidat en particulier? Ils sont tous redoutables et très calés, je n'ai vraiment pas d'a priori envers qui que ce soit. S'ils sont là c'est qu'ils valent le coup. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Xavier que je connais des 12 coups de midi est particulièrement costaud. Est-ce que Jean-Luc Reichmann sait que vous participez au quiz des champions? Je suppose. J'espère qu'il ne l'aille pas offusqué parce que je respecte énormément ce grand monsieur. Je lui tire mon chapeau bas pour tout ce qu'il fait pour ses émissions, sa série et son engagement.
Est-ce que vous diriez qu'entre maître de midi, parmi tous les champions d'autres jeux, il y a une compétition plus forte ou au contraire, vous êtes solidaire? Il y a un peu plus de complicité avec les candidats des 12 coups de midi parce qu'on se côtoie régulièrement, donc c'est sûr qu'on n'a plus d'affinité, il y a une alchimie. Vous aviez parlé de vos deux fils dans le jeu de TF1. Est-ce que si est-il aussi pour eux que vous vous dépassez dans le jeu? Oui, j'ai envie que ma famille soit fière de mon parcours. J'espère que mes fils le seront quand ils verront mon passage dans l'émission. Quels sont vos autres projets? Je profite du temps présent comme si je n'avais pas gagné d'argent, donc je vis chichement. Je n'ai pas de projet vraiment bien défini, mais peut-être que sur un coup de tête, je vais dire, on fait les valises, on s'en va. Je rêve d'aller voir Shania Twain en concert, mais je n'ai pas pu le concrétiser parce que sa tournée en Europe était complète. Je voudrais aussi aller visiter le Kazakhstan pour ses bases de lancement. Vous auriez envie de participer à un autre jeu télé? Je reviendrai avec plaisir au quiz des champions. D'ici peut-être 2-3 ans, j'essaierai question pour un champion, mais il faut que je sois prêt.